Salut, station fréquence. Ah. Ah bah oui, je suis en AM. Salut, station fréquence. Les bons souhaits à côté à vous tous de la part de Dandy 33 pour le QSO national du Canal 27. Alors on est vendredi 16 septembre 2016. Alors est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Bon, attention les stations en fréquence pour le QSO national du Canal 27, est-ce qu'il y a du monde? Ok Christophe, les morceaux 1351, ouais j'ai pas mal de bruit là derrière, ce qui fait que j'ai un petit peu de mal à entendre quelque chose. Si tout à l'heure la propague était à zéro, là c'est pas le cas, hein. Ça a monté un petit peu là de mon côté. Hein. Ok Christophe, il n'y a pas de souci, je t'ajoute au listing, chi trois coups. Les 73 Eric, ben justement il y a Christophe là, qui a été le premier à se signaler. Et en espérant que tu ailles bien Eric. Eh bien ouais, ça va, on fait aller comme on dit. ouais. Mais ce soir j'ai l'impression que la propague n'est pas avec nous. Ben justement, si, tout à l'heure, il y a une heure de ça, quoi qu'il dit quelle heure, si quand même, il y a une heure de ça, la propague était à zéro, j'écoutais un peu partout, rien, pas le moindre QRM, pour une fois, j'ai le RCMET qui était à zéro, hein, mais zéro pointé, hein. Et puis là, tac, là, ça monte, mais ça monte de, à mon avis, c'est une propague AM, là, qui est en train de monter, là. Bon ok, j'avais déjà monté d'un cran, là je m'en lâche au cinquième cran, j'irai pas au-dessus là. Hachi. Ah mais de toute façon tu pourrais mettre tout ce que tu veux, ça serait pareil je crois. Ok, d'accord, je suis redescendu au troisième cran là. Voilà, si tu sens trop de différence, ben, je remonterai au cinquième. Ok, mais écoute, j'espère que tu vas bien et puis que ta reprise n'a pas été trop difficile. Eh bien, la journée était un petit peu raide. Là, j'étais sur Mérignac, là, aujourd'hui, donc debout ce matin à 14h30. Et au niveau de circulation, quand je vais là-bas le matin, je mets quoi? Je mets 50 minutes. Ce soir, c'est 2h20 de bouchons et compagnie que je me suis cogné, quoi. Putain, je peux te dire que là, j'étais à deux doigts de pas venir ce soir dans le QSO, parce que là, j'en ai ras la casquette. Ah, chi. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant. C'est pas compliqué, tu vois, j'ai débauché à 17h. Donc, 17h, Mérignac, bon, ben, c'est sorti 10, enfin, les environs, à 17h. 18h10, j'arrivais simplement dans le virage là, de Bruges, là où il y a la clinique Jean Villard. Voilà. Et, ouais, 18h10, j'étais simplement là, quoi. Alors, tu vois un petit peu le bazar. Et une fois sorti, une fois attrapé la voie rapide Bordeaux-Libourne,
J'arrive sur la rocade de Libourne. Allez, on remet ça, quoi. À nouveau coincé dans les bouchons. Ah, mais quand ça commence, c'est. Je dirais, là, c'est pour durer, malheureusement, voilà. Non, mais là, ce soir, j'ai dit, bon, de mon côté. Là, j'ai pas de mon côté, parce que c'est quand le temps avec une radio de 2. Hein. Ah oui, pas plus? Côté radio, là je peux pas faire plus, je suis quoique, je regarde. Ah ouais, radio, c'est vrai que là, je suis en train de l'histoire de l'Amoran qui, j'ai entendu tout à l'heure, je le salue. Ils habituent de m'arriver le plein pour les gamelles parce qu'on n'est pas loin, mais là c'est vraiment pas formidable. Ah là, j'entends la radio un peu plus forte. Bonsoir monsieur. Ah, je suis trois coups, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a parlé aussi. Je sais pas si des fois il n'y aurait pas la tour de contrôle. Non, mais disons que moi c'est une antenne à lu, hein, donc c'est normal qu'elle ait presque pas bougé. J'aurais monté la président Himalaya qui elle est en fibre. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'elle serait foutue là en plein d'interrogation à l'horizontale et tout ce que l'on veut, quoi. Affirmatif, 100% QSL, Hachi. Oui, non, mais ça, je le savais, hein, y a pas de souci, hein, pour le non autorisé. C'est la question est juste sur la première partie, voilà, pour savoir si après, au niveau internet, on peut en parler ou pas, quoi. Voilà, c'était juste ça la question. Voilà, ok, comme ça au moins ça mérite d'être clair. Retour Michel. Vous parliez de l'antenne. Et la mienne là-haut, je l'avais mis là dans ça, elle ne bougeait pas d'un poil. Oui,
protégé, comme Eric, avec Eric, il dit qu'à le plier Carmen, c'est sûr que le bâtiment ne bougeait pas en même temps. Retour Eric. Je crois que tu vas retourner le micro, mais alors là, je t'entends à peine, c'est à peine déchiffrable, hein, je t'entends à peine. Il y a quelqu'un qui a parlé derrière, mais il y a tellement de surmodulation que c'est difficile à entendre. Oui, la station Capelet, si vous m'entendez, essayez de passer sur la surmodulation. Eh bien, comme toi, Michel, j'ai entendu que le bip, uniquement le bip. Alors, les bonnes 73, la station avec le bip de la part du QSO, la CELAD du 1527 du Sud-Ouest. Oh, c'est décalé, là. Attends, je me demande si c'est pas plutôt la propagande là qui nous joue des tours. Peut-être qu'on va dégager là sur le 27 270 en Lima Sierra Bravo, si tout le monde est d'accord. Christophe qui est derrière, Ludovic, Michel, Eric, ainsi que les autres stations. Je pense que là, ça serait une bonne idée parce que, à mon avis, on va passer le QSO à essayer de faire des breaks qui en sont peut-être pas, quoi. Ok, Eric, Michel et les autres, Christophe, le 27-270 en Lima, Sierra Bravo. Ok, voilà, donc là voilà, et on recommence tout. Ça y est, j'y suis, rendu. Rendu, oh, mais ça passe plus fort, mon ami Eric. Toi, tu passes plus fort que tout à l'heure. Idem de mon côté, Michel, tu passes plus fort aussi. Moi, c'est pareil, ça change pas. Rendu aussi. Ah, je t'entends mieux, Ludovic. Bon, ben, c'est parfait, ben, ça tombe bien. Ben, je profite du micro pour dire qu'on vous entend bien hein, depuis Angoulême. Là, j'étais le week-end dernier. Ça fait deux week-ends de suite où on vous entend pas mal. Avec une mention spéciale quand même pour Eric. Affirmatif, ouais, et puis en plus, c'est vrai que moi, du côté Angoulême, je suis pas mal caché aussi. Hein. Là, tu connais mon QRA, Eric, et c'est vrai que là, si j'ai pas un coup de pouce de la propag, là, tout le côté nord, tout ça, c'est foutu de mon côté. Hein. D'ailleurs, c'est pas compliqué, le côté est, idem, puisque j'entends jamais les stations de Bergerac. Même Sainte-Foy-la-Grande passe tout petit là de mon côté. Quoi. Retour Eric. Oui, mais comme on dit, c'est les aléas de la radio. voilà. Donc, moi j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Voilà.
Et puis je te retourne le micro, Michel. Ça fait rien, hein. Ludo, avec Tony, c'était pas entendu. Maintenant, à Angoulême, ça dépend. S'il est à la gare, c'est plutôt un creux. S'il est en haut, à côté de la grande cathédrale, là, c'est la hauteur. Et où se trouve Clonie là-bas dans son bâton, ben, vous deviez vous entendre, et Ludo, quand même. Mais là où j'étais placé, c'est à côté de, donc, de la salle de spectacle là, qui est là depuis quelques années, hein, à l'espace Carin. Je ne sais pas si, si tu connais, c'est un ancien terrain d'aviation. D'Angoulême, donc sur la commune de l'île des Pagnacs, et d'après une station locale, c'est un point haut, hein, cet endroit-là, c'est pas le plus haut, mais c'est un point assez haut, donc c'est plutôt pas mal, et j'ai trouvé une zone sur le parking de cette fameuse salle de spectacle où il n'y a pas un seul bête de QRM, donc là on peut y aller, le RSG à un fond, il n'y a pas un bête de QRM, donc c'est parfait, et pour tout dire, Claudie, ça passait, mais quand même petit, hein. Il y a 48 km, je crois, à vol d'oiseau, donc il n'y a pas de signal, mais un petit peu de radio. Bon, il avait un peu de mal à me copier sur la fin du GQSO, on a dû arrêter parce que voilà, on s'est perdu, hein, finalement, mais bon, ça passait quand même un peu. On a pu faire une heure et demie de GQSO, je crois, si mes souvenirs sont bons, donc c'est pas mal. On a bien profité, du coup, et voilà. Donc bon, ça passait quand même petit, hein. L'antenne de push que j'ai, c'est une petite ML145, hein, ou enfin c'est un équivalent, un truc un peu comme ça, voilà, avec un brin d'1m40 à peu près, hein. Tu vois un peu le modèle. Donc pas une antenne très costaud, pas forcément très taillée pour DX. Et puis on s'est accroché aussi sur le seul triple 5. Moi l'antenne elle est pas super bien accordée non plus pour cette bande de fréquence là. J'avais un taux de 1,4, entre 1,4 et 1,7 suivant les cas, donc voilà, c'était pas forcément terrible. Mais bon bah, ça a quand même passé un petit peu, et puis bon on a bien profité. Voilà, je vais aller coucher mon petit loup, donc je cuverte quelques minutes, voilà, il est grand temps. Et je reviens tout de suite, voilà, retour à toi Michel. Y a pas quelqu'un qui a entendu quelqu'un parler là? Je suis sûr. Hachi 3 coups, les bandes 73, Thierry, retour Michel. Pourquoi tu l'as entendu Thierry? Toi, moi je l'ai pas entendu, mais puisqu'il est apparemment qu'il est derrière, alors je vais le saluer. Salut Thierry, et retour à toi Yannick. Salut Vivi Plecoyote. Ok, ouais, bah oui, vu le bordel qu'il y a sur 275, on commençait à mélanger la propague AM et les éventuels breaks qu'il pourrait y avoir. Alors, il était temps qu'on déménage là, ici, quoi. Michel, j'étais par là, hein.
Non, mais eux, ils le sont. Et puis, il y en avait un ILT aussi. Ah oui, non, mais moi, j'étais pas là sur ce truc. Alors, combien de points nous dit qu'on laisse pas de blanc, hein? Mais non, moi, il y a du blanc. Il n'y a pas de blanc, là. Il n'y aura jamais. Il y a du blanc de poulet. Oh, putain, là, oui. Le fiston, alors, il est parti, il va partir en boîte, ce soir, au moins. Non, il va partir en boîte. Ah oui, c'est vrai. Rémi, il est passé, je sais pas quoi. Mon fils a eu un petit accident, il s'est cassé la clavicule. Ah, je sens qu'on va rigoler. Comment il se l'est cassé la clavicule? Mais le soir où il y a eu la tempête, il rentre en vélo, puis le bourrasque qui l'a balayé, puis il est passé par-dessus le vélo. Ah zut, je croyais que c'était en boîte en allant draguer la minette. Qu'il y en ait une qui l'a un petit peu trop serré, quoi. Non, il s'est classé la clavicule, il a eu la telle et puis qu'il doit garder pendant un bon moment, quoi. Bon, au moins, s'il était nul autrefois en physique, là, il a pris un bon cours. Voilà. Bon, en fait, c'était une petite anecdote, mais bon, ça n'empêche pas, ce soir, il était avec les copains, il est parti, il n'est pas loin, mais il est en bas de chez moi, et puis ici, il est en train de discuter avec ses copains. Ok, d'accord. On est en train de laisser de côté Christophe. Christophe, vas-y, prends le micro. Il a des mots à restreindre, puisque... Zut. C'est parce que ça fait à ta radio, Dany, ça va pas, qui est croisé, là. Il a les... Ok. Ok, Thierry, ça va mieux comme ça, là. Ah ouais, c'est vachement mieux, parce que là, on aurait dit que c'était la radio qui était trop poussée, là incompréhensible. J'arrivais à comprendre, mais là, voilà, ça c'est bizarre, hein. Là, ils doivent venir t'entendre. Hein. Ok, bah, j'essaie de jouer un petit peu sur l'équaliseur. Et bon, c'est parce que là, de ce côté, là, Eric, il a du mal un peu à nous entendre. Mais bon, là, je l'ai retiré, là. Ok, d'accord. Ouais, bon, c'est vrai que en plus l'équaliseur là du FT450 est assez particulier, quoi. C'est, enfin bon, bref. Faut bien qu'il ait un défaut quand même, ce poste, Hachi. De parler ensemble. Ok, voilà, ça y est. Tu vois là, je suis en train de parler en même temps que Thierry. Ça donne quoi? On a été trois à parler en même temps, c'est ça? Alors, qu'est-ce que ça donne, Eric? Bon, ben voilà. Non, mais là, comme ça, c'est bon. La radio, c'est bon, comme ça. Ouais. Alors, on avait dit qu'elle était trop poussée, là. Ou alors, les équaliseurs, ça n'allait pas. Ouais, non, mais c'était l'équaliseur, justement, là, du DK, hein, celui-là qui est intégré, là. Il est, je sais plus, il doit être à 9 présélections, il me semble. Mais bon, c'est vrai, c'est pas top. Hein. Ah oui, d'accord. Ben, y a l'équaliseur d'un côté et le micro gain de l'autre. Alors là aussi, le micro gain est à 3 positions. Et puis voilà, t'as pas d'autre choix, quoi. Oui, mais c'est avec le 450, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Je sais, le 450, je le sais, ouais. Voilà. Alors là, c'est bon, c'est impeccable.
Ok, merci. Sinon, j'ai le micro à pied là derrière, mais d'après ce que j'ai compris, le micro à pied passe moins fort que le micro à moins. À main, ça c'est bizarre. Ouais, c'est le micro à moins et le micro à plus. C'est pas pareil. Ouais, désolé, je suis un petit peu HS ce soir, je suis debout depuis 4h30 ce matin. Alors forcément, il y a des bugs. Alors, il y a Christophe, par contre, qui est derrière. Ouais, Christophe, l'angoisse, c'est ça, mais moi, je l'entends. Je vais voir si je l'entends. Hein. Salut, Christophe. Christophe nous a dit tout à l'heure qu'il partait. Et Zoli aussi, il a été couché le petit. Ah, ils sont tous partis couchés. Oh là là. Ah oui, petite anecdote pour Christophe, il s'est signalé là vite fait au début de QSO pour être justement dans le listing. Hachi. Eh oui, allez-y, à toi. Je vous écoute pour le moment. Je me signalerai quand ça ira mieux. Ok, Michel, tu vas comprendre ce que je veux dire, en espérant que ce que tu as été faire ces jours derniers, là, s'est bien passé. Dans l'ensemble, oui, mais j'ai pas été sage pour ma gorge. Mais pour le reste, ça, c'est ralenti, mais enfin, faut faire avec. Bon, voilà. C'est quand même assez positif dans l'ensemble, voilà. J'en parlerai pas plus parce que j'ai dû faire lâcher des mots que tu n'aurais pas forcément envie de lâcher. Quoi. Je vais te dire, j'étais passé avec la valoche et le soir même, j'étais de retour avec ma valoche. Ah oui, d'accord. Ben ça va, pour l'instant j'ai de la chance, je connais pas ça encore. Bon, retour Eric, pour voir si tu entends du monde de ton côté, car pour ma part, là, c'est silencieux. Hein. Mais pour le moment, je n'entends pas la monde. Alors les stations, s'il y a du monde qui veulent participer au QSO national, allez dans les stations. Thierry, c'est pour toi. Plus envie de revenir. Hein. Oh, ben, Cognac, il a dit partir, c'est ce coup, le bonhomme. Hein. Eh ben, c'est pas grave, tant pis. Bon, c'est un petit.